Voilà, monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information. Tout de suite, les titres. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a procédé ce 1er mars au lancement officiel de l'exploitation des postes de péage de la nationale numéro 1 et de sa mise en concession. La cérémonie a eu lieu dans le district d'Igné. Sur ce plateau, le coordonnateur technique à la délégation générale des grands travaux, monsieur Oscar Otoka, avec lui, nous parlerons des enjeux de la mise en concession de cette route. Plénière à l'Assemblée nationale, la Chambre basse du Parlement a voté ce jour 6 lois, dont 4 liées à la fonction publique territoriale et les 2 autres à l'emploi. Ouverture ce jour de la réunion des ministres en charge des télécommunications de la CEAC, le Premier ministre Clément Mwamba a invité les participants à faire le choix judicieux des projets à fort impact sur le quotidien des citoyens. La station fruitière de Loudima, concédée à la société EcoHall Énergie pour le développement de ses activités. L'accord de partenariat entre le directeur général de l'IRA et le PDG d'EcoHall Énergie a été signé il y a quelques heures. Voilà pour les titres, à présent les détails. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a procédé ce vendredi 1er mars 2019 au lancement officiel de l'exploitation des postes de péage marquant la mise en concession de la route nationale numéro 1 Pointe-Noire-Brazzaville. Désormais, c'est la Congolaise des routes, en sigle LCR, qui a la gestion des routes en concession. Le chef de l'État a montré l'exemple en payant lui-même son ticket au poste de péage de l'Ifula. Reportage Célestin Okano Irika. La construction de la route lourde Pointe-Noire-Brazzaville constitue la première phase de l'emblématique projet d'aménagement et d'équipement du territoire en infrastructures routières de qualité. La RN1 Pointe-Noire-Brazzaville, inaugurée en 2016, est une route à péage qui dispose de 7 postes de péage modernes. C'est ce vendredi 1er mars 2019 à 11h05 que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, est arrivé au poste de péage de l'Ifula pour le lancement officiel de la concession de la RN1. À sa descente du véhicule de commandement, le chef de l'État est reçu par les sages de Kintélé et d'Igné à travers un rituel dont seuls les initiés comprennent et perçoivent la symbolique. Après cette étape, le chef de l'État franchit le péage et paye lui-même son ticket. Son passage marque le début de l'exploitation des postes de péage sur la RN1. La mise en concession de la RN1 en vue de garantir sa bonne gestion et la pérennité de cette infrastructure est confiée à la Congolaise des routes qui, après avoir remporté cette concession, a signé le 5 décembre 2018 un contrat de délégation de services publics avec l'État. Ce contrat couvre la RN1 et ses jonctions, la RN1 bis entre Brazzaville et Mindouli, dont seule la partie Brazzaville-Kinkala est immédiatement mise en exploitation. La RN2 entre Yé et Wesso, dont l'exploitation débutera plus tard. Plusieurs officiels étaient de la partie, les membres du gouvernement et autres corps constitués nationaux. Les salutations des convives à la cérémonie terminée, le président de la République a eu droit à la visite guidée des installations avant de saluer les populations qui lui ont réservé un accueil chaleureux pour lui traduire leur joie. Une joie manifestée au regard du vaste chantier de modernisation du pays que le président Denis Sassou Nguesso a entamé depuis la Nouvelle-Espérance en passant par le chemin d'avenir et la marche vers le développement. Prévenir et réparer les dégradations de la route de manière à prolonger sa durabilité et sa disponibilité, telles sont les missions assignées à la Congolaise des routes. Jean-Christophe Osango. Le péage est l'endroit par excellence où les automobilistes versent une redevance pour circuler. Le geste fait par le président de la République, Denis Sassou Nguesso, nous renseigne bien dans cette obligation.
Le péage de l'Ifula, respectueux des normes internationales, dispose des cabines où se font des collectes et transactions des fonds. Ces fonds ne prennent pas des voies dérobées et sont destinés prioritairement à l'entretien de la route sans laquelle l'implantation du péage ne s'explique pas. Les prix varient de 1500 francs à 40 000 francs. Berline, taxi, tricycle, 1500 francs. Pick-up, 2000 francs. Minibus, 3000 francs. Autocar, 13 000 francs. Poids lourd, 20 à 40 000 francs selon le tonnage. Ici, toutes les conditions susceptibles de maintenir en l'état actuel la route Brazzaville-Pointe-Noire pendant 30 ans sont remplies. Pendant 30 ans donc, les usagers ne se heurteront pas au nid de poule et d'autres calamités. Ceci grâce à un centre d'assistance et rigoureux de surveillance de l'état de la route et de la sécurité des usagers. Des patrouilleurs dans un sens comme dans l'autre sont mis à contribution, dont la détermination est de pousser la société à l'imperfection zéro. Toutes les déconvenues seront signalées sur cette route. La Congolaise des routes et partenaire d'une part et le gouvernement de la République de l'autre sont donc très avancés dans la réflexion de minimiser les peines des usagers. L'objectif est de pérenniser la route. La route à jamais. On l'a construit pour la vie, on l'a construit bonne fois pour toutes. Et la solution, c'est de le pérenniser. Pour pérenniser, il faut passer par ce type de ce modèle de partenariat public-privé, qui est la concession. Le système de péage, le système de contribution pour pouvoir pérenniser la route avec l'entretien quotidien et la création des aires de service, des aires de repos, des stations-service, la commodité d'une vie, d'une route qui fait la vie. La concession prend en compte toute la dorsale, c'est-à-dire RN1, RN2. Mais la RN2, pour être mise en concession, devrait d'abord être réhabilitée. On ne peut pas mettre en concession une route qui n'a pas été construite. Donc pour le moment, nous devons d'abord reconstruire entièrement la chaussée que nous avons perdue. Et après, elle va pouvoir intégrer la concession. La même opération, c'est d'assurer une circulation paisible aux usagers sur la RN2, se fera avec les mêmes experts de la Congolaise des routes. De la coopération sino-congolaise, la route nationale numéro 1 bénéficiera d'un entretien qui devra pérenniser son bon état pendant plusieurs décennies. L'ambassadeur de Chine au Congo se réjouit de cette mise en concession des routes nationales. Certains usagers de la route se sont prononcés sur les tarifs des péages. Le point avec Brice Ambanzou. Une infrastructure entretenue au quotidien pour une mobilité préservée, voilà l'esprit de la mise en concession des routes nationales RN1 Brazzaville-Pointe-Noire, RN1 bis Brazzaville-Mindouli, RN2 Yé-Wesso. La Congolaise des routes, à qui incombe désormais cette lourde responsabilité, a l'impérieuse mission d'assurer l'exploitation et l'entretien de ces routes à travers des actions bien précises. La route numéro 1 est un fruit de coopération entre la Chine et le Congo. Si on va plus loin, donc il y a la maintenance, la gestion. On est passé à une autre étape de coopération en collaboration entre les trois parties ensemble. Il s'agit de la partie congolaise, de la partie française et de la partie chinoise. Ça fait une coopération plus large. Une coopération plus large qui se propose non seulement de pérenniser le bon état des infrastructures routières, mais aussi et surtout de générer le revenu à travers une bonne gestion. Cette gestion va permettre au gouvernement congolais, disons, de ne pas prendre les soucis sur la maintenance de la route. Parce que, comme prévu, cette route doit opérer au moins 30 ans, mais au bout de 30 ans, ce sera peut-être la route sera encore meilleure qu'aujourd'hui, donc avec la bonne maintenance. Et puis, ça donne également des recettes au gouvernement à travers les impôts et les taxes. Grâce aux revenus des péages de la route nationale numéro 1, la Congolaise des routes s'attellera à, entre autres services, l'entretien des chaussées, le développement de la sécurité avec la mise en place d'un centre d'appel pour dépannage des usagers. Des usagers qui sont désormais assujettis au paiement de nouveaux tarifs. Je demande à l'État, au gouvernement congolais de regarder ce problème-là. Parce que moi, que vous parle là, je suis habitant du Nié. Je travaille à Brazzaville. Donc chaque tour, je dois payer 4000 francs. Le prix est taxé ou bien commandité par rapport aux critères. Si on voit l'entretien des routes,
c'est une structure qui nécessite aussi un appui au niveau des finances. Bon, de part et d'autre, ça veut dire que économiquement aussi, on doit aussi tirer profit. Puisque le taxi qui passerait par ici, c'est un taxi qui fait une course aussi dépassant la moyenne de 1500. Avec la mise en concession des routes nationales, ce sont également ces péages modernes qui sont officiellement ouverts. Ceci afin de stopper le fonctionnement de ces anciens péages de fortune. Monsieur Oscar Otoka, bonsoir. Bonsoir. Vous avez comme moi suivi ces reportages. Les postes de péage sur la nationale numéro 1 sont désormais opérationnels, mais les usagers se plaignent déjà de la hausse des tarifs. Qu'est-ce qui justifie l'augmentation des prix? Merci madame. Comme vous le savez, cette dernière décennie, le Congo a eu à mettre en place un vaste programme de construction d'infrastructures. Un programme mené par lui-même, son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République. Mais il est désolant de constater que par manque d'entretien, essentiellement par manque d'entretien, ces ouvrages sont en train de tomber un à un en ruine. Et d'où aujourd'hui, pas seulement au Congo et partout ailleurs, il faut créer une péréquation entre les recettes d'entretien d'un ouvrage et la qualité de service de l'ouvrage. D'où l'ouvrage a été mis en concession. Donc les tarifs proposés relèvent d'une péréquation qui devrait être créée entre le coût de l'entretien et les recettes de la concession. C'est-à-dire l'entretien d'un ouvrage a un coût et de ce coût il faut avoir la ressource. Dans la ressource, nous connaissons le trafic et du trafic, il faut déterminer le coût du trafic. C'est ce qui fait que ces prix soient légèrement à la hausse par rapport au prix précédent. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que la route sera entretenue pendant 30 ans. On aura 30 ans à entretenir la route parce que l'entretien des infrastructures, c'est le point faible de notre système économique du pays. Nous construisons les ouvrages, malheureusement l'entretien ne suit pas. Aujourd'hui, la politique de mise en concession nous permet de garantir 30 ans la bonne circulation sur la route Pointe-Noire-Brazzaville dans un premier temps, étendue à la dorsale jusqu'à Ouisso et la RN2 bis dans un second temps. Donc c'est pour ça que aujourd'hui, la cérémonie d'aujourd'hui a eu un caractère solennel. C'est comme à l'inauguration, on célèbre parce qu'on a eu un ouvrage. Ici, la fête, c'est parce que nous allons conserver cet ouvrage pendant 30 ans et à la 30e année, on va nous rendre l'ouvrage plus solide que maintenant. C'est pour ça que lui-même, son excellence Denis Sassou Nguesso, a eu à faire le déplacement de l'IFULA. L'entretien de cette route, c'est une affaire de tous. Est-ce que les prix ont été arrêtés d'un commun accord avec le syndicat des transporteurs ou c'est une décision de la Congolaise des routes ou encore celle de l'État? La Congolaise des routes n'est qu'un partenaire, un exploitant, un concessionnaire à qui nous avons concédé l'ouvrage pour l'exploitation. Il nous faut avoir une péréquation entre les recettes d'entretien et la qualité de la route. C'est ça qui a déterminé le coût de la route à travers une vaste commission interministérielle mise en place qui a eu à travailler avec la Congolaise des routes. Il est vrai qu'on peut se plaindre que les coûts ont augmenté, mais il faut voir le coût d'entretien d'une route. Je prends un exemple. Sur l'autoroute A63, entre Pau et Bordeaux, qui fait 500 km, un véhicule léger pour partir de Pau à Bordeaux paye au total 28 000 francs CFA. Ici, un véhicule léger partira de Brazzaville à Pointe-Noire pour 535 km à 11 500 CFA. Donc, ce qui veut dire que le coût en lui-même pour entretenir la route, il n'est pas cher, puisque le coût de la route n'est pas fonction du panier, de qui que ce soit, du pouvoir d'achat. Non, le coût de la route est en fonction des intrants, le bitume, les aciers, le ciment, qui ont des prix les mêmes que partout. Peut-être ailleurs, c'est plus cher. Revenons sur la mise en concession de cette route. Pourquoi ce lancement n'est pas intervenu un peu plus tôt, au lendemain de son inauguration, par exemple? À l'inauguration de cette route, à l'ouverture de cette route, du deuxième tronçon qui a eu lieu
le 1er mars 2016 par son excellence Denis Sassou Nguesso. À la suite de cela, un appel d'offres a été lancé. Le processus étant tellement complexe que cela a duré pratiquement 2 ans jusqu'à la désignation du concessionnaire qui est le groupement Aegis China State. D'accord. Et qu'est-ce qui justifie la présence du président de la République? Il s'agit d'une cérémonie importante. Il s'agit d'un ouvrage qui sera conservé et maintenu pendant 30 ans. Et à la suite des 30 ans, nous aurons un ouvrage plus consistant que maintenant puisqu'il sera rechargé, réhabilité entièrement. Donc, le président de la République a vu l'importance de cette route, la pérennisation de cette route. C'est ça qui a motivé son déplacement pour venir lui-même donner le top, étant entendu que on a suivi tous son discours à la fin de l'année, que tout le monde doit être exemplaire. Et lui-même, le président de la République, a tenu lui-même à donner l'exemple en payant le premier ticket du passage à l'IFOLA. Merci, monsieur Oscar Otoka, pour toutes ces informations. Merci beaucoup. Poursuivons ce journal. L'Assemblée nationale, sous la houlette de son président, Isidore Vouba, a voté en sa plénière du 1er mars 6 lois, dont 4 liées à la fonction publique territoriale et 2 créant 2 organes relatifs à l'emploi. Récit Cyril Safoubati. La plénière du 1er mars qu'a dirigé le président de l'Assemblée nationale, Isidore Vouba, a été dominée par la territoriale. D'un côté, la loi modifiant celle de 2005 sur le statut de la fonction publique territoriale, elle vise l'harmonisation de 2 statuts de la fonction publique territoriale et de la fonction publique d'État. Et de l'autre côté, 3 lois fixant la répartition des compétences entre l'État et les collectivités locales et définissant les modalités d'exercice des communes et des départements en matière de santé, d'entretien routier, d'enseignement préscolaire, primaire et secondaire. Budget de l'État pour que le secteur de la santé et l'éducation soient des secteurs pilotes. Ça a été sans succès. Aujourd'hui, le gouvernement revient avec un arsenal juridique, disons même légal et peut-être réglementaire. C'est à saluer. Il y a un mois, le président du conseil de volontaire de la Pivet d'Ouest qui déplorait le fait que même ce qui est déjà accordé là n'est jamais arrivé. Dans la panoplie des lois sur la décentralisation, il y a 3 ressources. Il y a la dotation globale de fonctionnement, qui est une dotation d'équilibre, la dotation globale d'investissement, qui est une dotation par laquelle l'État essaie de renforcer l'investissement au niveau local, mais il y a aussi la dotation globale de décentralisation. Lorsque l'État va se dessaisir d'une compétence, il va aussi se dessaisir de la ressource. Et la ressource dont il va se dessaisir passera par la dotation globale de décentralisation. À cette plénière, les députés ont aussi adopté la loi créant l'Agence congolaise pour l'emploi et la loi créant le Fonds national d'appui à l'employabilité et l'apprentissage, en remplacement de l'ONEMO. Toutes ces 6 lois ont été examinées en 2e saisine. Le collectif des opérateurs économiques du Congo a entrepris une démarche pour la prise en compte de leurs créances. Une démarche qui a débuté par un tête-à-tête avec la commission économie du Sénat, au cours duquel le président du collectif a énuméré 5 points parmi lesquels le dossier des créances en instance au Trésor, la fiscalité et l'attribution des marchés publics aux nationaux. Le président de la commission a dit soumettre leurs doléances auprès du ministère des Finances, Johannes Makwala. Devant la commission économie et finances du Sénat, le président du collectif des opérateurs économiques du Congo a énuméré 5 points, parmi lesquels le dossier en instance du paiement au Trésor, les créances réalisées pour le compte des travaux de municipalisation accélérée, ajouté à cela la dette intérieure à exercice budgétaire 2014 et 2016, des droits retenus par le ministère des Finances selon Josephate Roger Obès, qui estime toutefois qu'un plan d'apuration progressive serait nécessaire. Il s'agit des problèmes de dettes retenues par le ministère des Finances en ce qui concerne l'audit de 2014, 2015, 2016, nous avons parlé de la parafiscalité et nous avons déposé au Sénat pour que le Sénat fasse le travail d'accompagnement parce qu'il faut accompagner les commerçants, il faut accompagner les opérateurs économiques. Le président de la commission économie et finances du Sénat salue la démarche du collectif des opérateurs économiques du Congo, une démarche qu'il a estimée légitime pour le processus de la prise en compte de leurs droits auprès de l'autorité monétaire. Nous, notre rôle, c'est de comprendre de quoi il s'agit. Nous n'avons pas besoin d'être experts, mais nous, pour le parlementaire,
mais c'est d'abord de comprendre de quoi il s'agit et mettre en place une procédure pour que nous puissions trouver des solutions à des problèmes qui se posent. Le collectif des opérateurs économiques du Congo entend entreprendre autre démarche auprès des institutions concernées. Dans son discours d'ouverture à la réunion ministérielle d'adoption du plan consensuel de déploiement des infrastructures de communication électronique en Afrique centrale, le Premier ministre Clément Mwamba a invité les participants à cette réunion à faire le choix judicieux des projets à fort impact sur le quotidien des citoyens et d'opter pour une évaluation rigoureuse de leur mise en œuvre. Il faut donc agir, agir vite, afin que les discours cèdent le pas aux actions concrètes. Le point dans ce reportage de Joachim Miafunambongo. Les ministres de la CEAC en charge des communications électroniques ont examiné les différents documents en tenant compte de toutes les évolutions intervenues dans les États membres dans le développement des infrastructures large bande. Le plan d'action consensuel de déploiement adopté dotera l'Afrique centrale d'un schéma directeur d'interconnexion transfrontalière. Nous faisons un très bon pari sur la sous-région, que celle-ci a les capacités de se développer et de se transformer. Pour le Premier ministre Clément Mwamba, nous sommes là sur une thématique hautement stratégique qui a vocation à faire du secteur des TIC le moteur de la transformation structurelle de nos économies nationales. En ce siècle de révolution technologique fulgurante, l'amélioration continue de nos infrastructures de communication électronique est un défi communautaire que nous devons relever collectivement. C'est aussi un enjeu pour l'arrimage inévitable de nos États à la modernité faite demain du tout numérique. Je lance ici un appel à tous nos États pour un engagement communautaire plus fort sur l'urgence d'une meilleure collaboration dans ce domaine à la fois essentiel et incontournable. Réunis à Brazzaville, tous les participants ont concouru à la concrétisation de la politique régionale de l'édification de véritables sociétés et économies régionales, de développement des infrastructures et des réseaux large bande de communication électronique en Afrique centrale. La cinquième réunion du comité inter-état de pilotage du projet d'aménagement hydroélectrique de Cholet et des lignes électriques associées a connu son épilogue sous la férule des ministres Serge Blaise Zoniaba et Gaston Elundu Essoba en charge de l'énergie du Congo et du Cameroun. Au terme des travaux, le comité inter-état a pris l'option d'exécuter ce projet sous forme de partenariat public-privé. Aussi a-t-il été décidé de la suspension provisoire des contrats signés avec les experts à recruter pour le projet. Plus de détails dans ce communiqué que résume pour nous Merveille Issoumbo. Je disais tantôt que si la technique peut revenir sur les images énoncées tout à l'heure, plus en dépit de la conjoncture économique difficile que traversent le Congo et le Cameroun, les deux pays font cause commune pour que la réalisation de la centrale hydroélectrique de Cholet et des lignes électriques associées ne soit plus une chimère. À cet effet, le comité inter-État réuni à Brazzaville a réaffirmé l'engagement d'exécuter ce projet sous forme de partenariat public-privé. Le comité inter-État a décidé que la sélection des partenaires désireux d'accompagner le Cameroun et le Congo dans la construction et l'exploitation de la centrale hydroélectrique se fera par voie d'avis à manifestation d'intérêt. Aussi a-t-il instruit à la direction du projet à mettre en œuvre cette procédure sans délai. La situation administrative et financière difficile des personnels évoluant au sein du projet a conduit le comité inter-État à sursoir momentanément les contrats. Les contrats signés avec les experts recrutés pour le projet n'ayant pas connu un début d'exécution, faute de mise à disposition des crédits, le comité inter-État a décidé de suspendre provisoirement les 10 contrats.
La réalisation de la centrale hydroélectrique de Cholet est le fruit du protocole d'accord signé le 28 octobre 2010 à Brazzaville entre le Congo et le Cameroun. Et ce communiqué de presse, le directeur de cabinet du ministre des Mines et de la Géologie informe le public qu'il n'a reçu aucun quota afin de procéder à un quelconque recrutement au sein du dit ministère. Il indique par ailleurs que tous ceux qui en parlent au nom du ministère des Mines et de la Géologie ne sont que des arnaqueurs. Toute personne qui se fera arnaquer ne s'en prendra qu'à sa propre turpitude. Les journées portes ouvertes chez les sapeurs-pompiers. À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la protection civile, la Direction générale de la sécurité civile a ouvert ses portes à plusieurs établissements scolaires de la place. Une grande démonstration a été organisée pour faire découvrir aux enfants les missions d'assistance et de secours, mais aussi leur faire connaître les gestes qui sauvent. Carmen Lukombo. Cette journée mondiale de la protection civile a donné lieu à une visite guidée des installations de la Direction générale de la sécurité civile par plus de 400 élèves venus des différentes écoles de Brazzaville. Ces derniers ont suivi les enseignements sur les secourismes, les accidents domestiques. La liste n'est pas exhaustive. C'est en cette date-là que nous fêtons, ensemble avec la population, les missions qui sont les nôtres, qui consistent à sauver les gens, apporter assistance et secours, donner une réponse à la gestion des crises et des catastrophes. Comblés par ces connaissances acquises, ces apprenants n'ont pas pu cacher ce qu'ils ont retenu. J'ai pu retenir le CCI, camion citerne, le VPC, véhicule de premier secours. Les sapeurs-pompiers nous ont appris deux positions pour aider notre collègue qui est en difficulté. La première position, la position latérale de sécurité, c'est une position quand notre ami s'évanouit, on doit l'aider à s'arranger pour qu'il puisse bien respirer. La deuxième position, c'est la position à moitié assis. C'est quand une personne n'arrive plus à respirer, on le prend, on le met assis, on prend même une chaise ou bien des sacs, on met derrière lui pour qu'il puisse se sentir à l'aise et puis on appelle les sapeurs-pompiers si le cas est vraiment grave. Au niveau national, cette journée est célébrée sous le thème « La protection de nos enfants, notre responsabilité ». Dans la suite des activités liées à la célébration de la Journée nationale de la jeunesse célébrée hier, les cadres du ministère de la Jeunesse, les membres des associations, les ONG et mouvements de jeunesse se sont mobilisés ce vendredi pour un don de sang au Centre national de transfusion sanguine. Une manière pour ces derniers de sauver des vies. Chantal Moukoko. C'est dans le cadre des activités liées à la célébration de la Journée nationale de la jeunesse que les cadres du ministère de la Jeunesse, les membres des associations, ONG et mouvements de jeunesse qui ont participé aux causeries débats axés autour des thèmes comme jeunesse et volontariat, entrepreneuriat juvénile comme facteur de développement, se sont mobilisés pour donner un peu de leur sang au Centre national de transfusion sanguine afin de sauver des vies. En tant que Congolais, tu dois donner du sang pour sauver les Congolais qui sont malades. Dans la raison pour laquelle j'encourage aussi l'initiative menée par Madame la Ministre. Un geste d'amour, mais aussi un acte civique pour le directeur de cabinet de la Ministre de la Jeunesse qui pense que les jeunes doivent se mobiliser tous pour ravitailler en sang le Saint-Es. Vous savez que le sang est un produit essentiel pour la vie. Et nous sommes au courant, puisque nous vivons ici à Brazzaville, qu'il y a une pénurie du sang dans les centres de santé. Et Madame la Ministre n'est pas restée en marge de ce cri de cœur. Et nous avons pensé, à l'occasion de cette journée nationale de la jeunesse, mobiliser les jeunes pour faire ce geste et sauver les vies des personnes qui sont actuellement en danger. La mobilisation de tous est souhaitée pour ravitailler le Saint-Est, car ne dit-on pas que donner son sang, c'est sauver des vies. Dans le cadre du renforcement des relations de coopération entre la République du Congo et Cuba, dans le domaine du sport, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Hugo Nguelondele, s'est entretenu ce matin avec José Antonio Gracia González. Les précisions avec Jess Mervi Moubidou. La relance de la coopération dans le domaine du sport a été au centre des échanges ce jeudi 28 février
Entre le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Hugo Ngolondele, et José Antonio Garcia González, ambassadeur de la République de Cuba au Congo. Le diplomate cubain était porteur d'une invitation du président de l'Institut des Sports de Cuba, qui convie le patron du département des sports à visiter dans les prochains mois à Cuba cette structure. Une visite qui pourrait aboutir à la signature des accords de coopération dans le domaine du sport. On a eu l'intention de faire passer à monsieur le ministre l'invitation de monsieur le président de l'Institut des Sports de Cuba pour que l'année 2019, le ministre peut aller à Cuba pour voir le centre des sports à Cuba et peut-être pour signer un accord de coopération concernant le sport, pour faire grandir la coopération qu'on a depuis des années. Cuba, qui entretient des bonnes relations de coopération avec le Congo depuis 55 ans, ne néglige aucun domaine. L'Institut de recherche agronomique, IRA, et la société EcoHall Energy ont signé un accord de partenariat qui concède la station fruitière de Ludima, située dans la Bouenza, à EcoHall Energy pour le développement de ses activités. Cet accord a été paraffé par Armand Claude Villa et Claude Wilfried Etoka, respectivement DG de l'IRA et PDG d'EcoHall, sous le parrainage du ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, Martin Aimé Koussou Mavungu. Lambert Okoko pour le reportage. La station fruitière de Ludima située dans la Bouenza, désormais concédée à EcoHall Energy, société privée agro-industrielle de droit congolais. Cet accord de partenariat public-privé vient d'être paraffé par Claude Wilfried Etoka et Armand Claude Villa, respectivement PDG d'EcoHall Energy et DG de l'Institut de recherche agronomique IRA, sous le parrainage justement du ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, Martin Parfait Aimé Koussou Mavungu. Bonne initiative pour la relance des activités de cette station fruitière, dont les clés avaient été mises sous le paillasson il y a belle lurette. EcoHall a eu la bonne idée de pouvoir la remettre en valeur. Nous sommes une institution de recherche et nous pensons que nous avons le droit, le devoir de pouvoir appuyer EcoHall justement qui fait du développement agricole. Vous savez que dans notre pays, des entreprises, des sociétés comme EcoHall, je crois qu'on les compte du bout du doigt. Le premier sujet qui va prendre corps à l'issue de cette signature, c'est justement la station fruitière de Ludima et la réimplantation, le réaménagement de la station fruitière avec des technologies très importantes, puisque vous le savez, partie intégrante de cet accord, il y a la signature, il y a quelques mois, d'un partenariat avec la société Rivulis, qui nous accompagne dans ce redéploiement. Ça va prendre corps de cette manière. Il va y avoir l'installation d'une pépinière qui va faire plus de 14 000 mètres carrés et qui sera capable à 5 ans d'accueillir 500 000 plants, 100 000 plants par an, prioritairement en mangue, en orange et en citron. L'expertise scientifique, l'assistance technique et l'appui au développement agricole sont entre autres domaines faisant partie intégrante de cet accord public-privé entre EcoHall et le gouvernement. Accord qui, sans nul doute, favorisera la mise en œuvre du projet de transformation de l'agriculture au Congo. Poursuite de la série d'intronisation des commandants des escadrons de sécurité routière de la gendarmerie nationale nouvellement nommée. Après Owando, c'est Brazzaville qui accueille le nouveau commandant de son escadron de sécurité routière. Le capitaine Marfoy-Emar Armel est désormais celui qui devra, avec son équipe, veiller à ce que les routes ne soient pas laissées à la merci des inciviques. Roland Kindo. Récemment commandant de la sécurité routière de Owando, le capitaine Emar Armel Mafoy a été intronisé par le commandant du groupement de la sécurité routière de la gendarmerie nationale, le lieutenant-colonel Tiburce Otsumba. La tradition militaire digne des grands événements a été respectée et les mots d'usage prononcés. À compter de ce jour, vous reconnaîtrez comme commandant de l'escadron de sécurité routière de Brazzaville le capitaine Mafoy Armel, confiance ici présent. Vous l'obéirez en tout ce que vous commandera pour l'intérêt du service, dans l'exécution des règlements militaires, dans l'observation des lois de la République pour le succès de la gendarmerie, conformément à la Constitution. Le capitaine Mafoy a donné ses premiers ordres à la troupe. Présentez.
Le capitaine Aymar Confiance Armel Mafoua a été recruté au groupement aéroporté en 1998. Il a été ensuite admis à poursuivre des études universitaires en France, sanctionné par un diplôme de criminologie. Il est détenteur d'un diplôme de chef de section interarmée du centre d'instruction de Makola, promotion colonel au Bosso. Il est aussi détenteur d'un diplôme de qualification de pilote de motocycliste en 2012 de l'école de la gendarmerie nationale. 15 jeunes Congolais ont reçu hier des certificats de participation au concours Startupeur organisé par la société Total dans près de 40 pays après une première édition réussie en 2015. Pour cette deuxième édition, Total EP Congo a récompensé 3 jeunes créateurs d'entreprises en leur apportant une aide financière d'au moins 5 millions de francs CFA. La ministre des PME, Yvonne Adélaïde Mungani, a assisté à la remise des prix aux côtés du directeur général de cette société pétrolière, Martin De Fontaine. C'est un reportage de France Duclair Bondengue. Ecomeli, voilà le projet qui a le plus séduit le jury chapeauté par Gervin Buiti Viodo. L'édition 2019 du prix Total Startupeur de l'année reste marquée par un prix spécial du jury décerné à Saint-Tiche Tiba pour encourager le génie féminin dans la création des entreprises. Au total, 3 lauréats ont été primés. Ils ont reçu des chèques allant de 5 millions à 12 500 000 francs CFA par ordre du mérite. En produisant localement de la craie, nous allons commencer à créer de l'emploi localement. Nous offrons une alternative aux importations de craie. Des initiatives louables qui nécessitent un accompagnement à tous les niveaux. C'est un partenariat qui nous permet d'avancer. Et là, nous allons avoir quelques entrepreneurs avec un financement garanti pour leurs projets. Avec un accompagnement également pendant un certain nombre de mois pour leur permettre de donner des bases solides à leur entreprise. C'est des projets dynamiques, c'est des projets créatifs, pas seulement des projets dans le pétrole bien sûr. On a entendu parler de miel, de craie, d'agriculture urbaine. Enfin, tous ces projets font du sens et je suis extrêmement fier que Total puisse contribuer, puisse aider ces jeunes entrepreneurs congolais. Bien au-delà du simple jeu concours, le groupe Total accompagne le Congo dans la création de la richesse, ce qui pourra à coup sûr transformer la société congolaise. Voilà, c'est la fin de cette session d'information. Retenez que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a procédé aujourd'hui, 1er mars, au lancement officiel de l'exploitation des postes de péage de la route nationale numéro 1. La cérémonie a eu lieu dans le district d'Igné. Et retenez également que les motos Diakarta au niveau de ces postes de péage ne paient aucun frais. Ces motos vont circuler librement et gratuitement.